Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 20 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne, et j'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins en un mot, d'être moi. Vous répétez cela 3 fois. Aujourd'hui, j'ai pigé, respiré. Là, ça me parle aussi, n'est-ce pas? Respirer, c'est avec l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Notre bel archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, peut-être que souvent, dans des moments de stress, il se peut que vous reteniez inconsciemment votre souffle. Pourtant, n'est-ce pas? Comme vous le savez, la respiration est essentielle à l'oxygénation du cerveau, de tous les organes de votre corps, de l'esprit, ainsi que la vie en elle-même, n'est-ce pas? Sans respirer, nous ne pouvons pas vivre. Alors, écrivez-vous une note vous disant de respirer et pour vous rappeler l'importance de se vivifier à l'aide de respirations profondes et régulières. Inspirez, expirez. L'archange Raphaël, eh bien, vous invite à faire des promenades à des endroits où, évidemment, l'air est pur et frais, où l'air est abondant. Vous remarquerez également ainsi une amélioration de la qualité de l'air que vous respirez. Vous pourriez aussi aller près de l'eau. C'est une bonne aire aussi pour respirer près de l'eau, comme au bord de la plage ou d'un lac. Alors vous savez, même une douche ou un bain, eh bien cela vous mettra en contact avec les ions positifs associés à l'eau et à l'air. Donc, en résumé, eh bien, peut-être que vous êtes dans un stress, peut-être que vous êtes anxieux, eh bien, on vous invite à prendre de bonnes respirations. Pourquoi pas à faire des méditations pour essayer de bien oxygéner votre corps, de faire des promenades, ne fût-ce que aller au magasin, faire vos courses, prendre l'air, marcher. Donc voilà le message d'aujourd'hui pour essayer que ce stress, cette anxiété, cette peur, ce mal-être que vous avez en vous disparaisse, n'est-ce pas? Alors travailler avec l'archange Raphaël, eh bien, je suppose que vous le savez toutes et tous, le nom de Raphaël signifie Dieu qui guérit. Raphaël est évidemment connu comme l'ange guérisseur en charge, eh bien, des soins physiques de tous les êtres vivants. Souvent, n'est-ce pas? Eh bien, l'archange Raphaël, il nous donne des instructions divines, c'est-à-dire des intuitions, des pensées, des idées, rêves, et ainsi de suite. Il nous montre comment contribuer activement
à garder un corps en santé. Quand vous faites appel à ce bel archange Raphaël à propos d'une guérison, eh bien, portez attention aux impressions en vous. Et assurez-vous de suivre jusqu'au bout toutes les instructions qui vous incitent à agir. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre corps. C'est primordial. Très très beau message de notre bel archange Raphaël, n'est-ce pas ? Guérir, guérir. N'oublions pas que notre corps est notre véhicule ici sur Terre et que, eh bien, si nous ne l'entretenons pas, il peut y avoir des catastrophes. Alors, j'ai pigé pour mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé gratitude. Alors, pouvez-vous regarder votre corps avec tendresse, avec amour ? Est-ce que vous pouvez accepter qu'il soit comme il est, c'est-à-dire parfait d'un point de vue divin ? Pouvez-vous le remercier de fonctionner du mieux qu'il peut à tout instant et de concourir en permanence avec votre bien-être? Est-ce que vous pouvez le considérer toujours comme un ami, en étant convaincu qu'il ne veut que votre plus grand bien? Quelle belle synchronicité, n'est-ce pas, avec la guérison? La prière est: mes anges, merci de veiller sur ma santé. Depuis le jour de ma naissance, avec tant de bienveillance et d'amour. Merci de m'aider à prendre soin de mon corps et à le chérir pour qu'il se révèle dans toute sa perfection. Alors, vous répéterez ces deux phrases suivantes trois fois. Je suis l'énergie divine, je mérite l'énergie divine. C'est un très très beau message, ça me parle énormément évidemment. Vous savez, quand on a eu un couac de santé, quand je dis un couac, c'est cancer, n'est-ce pas? Eh bien, et lorsque on en réchappe, ben on dit merci la vie. Et même si on en réchappe avec beaucoup de séquelles, comme c'est mon cas à moi, je dis merci, et vraiment merci avec gratitude. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse tout fort, je vous dis à demain.